pour la 6e hyperbolique de Fresnay. 2003, ça doit être ouvrir pour des sauts et une carte de 5 ans. Avec le meilleur départ qui est à mettre à l'actif. Le parent des savanes et de son camarade de Kazakh, son avenir, qui ont passé en tête devant les tribus. Le FDRAM est en 3e position. Corguez, de l'autre pour sa part, 4e rang, son extérieur. Sous la conduite de Vision d'avenir en dedans, Corguez à sa hauteur cendre. En 3e position, à leur extérieur, vient ensuite Brillant de Tanu. D'ailleurs, Brillant de Tanu au centre, parent des savanes, à l'extérieur, Zaminé. Ils sont maintenant à 300 mètres du poteau, Vision d'avenir qui lutte avec Zaminé, qui termine de plus en plus fort à l'extérieur, devant encore Tanguez, et au centre, c'est l'heure. Nous avons le poteau, Zaminé en dehors, pas l'avantage maintenant. Zaminé qui va retourner sa noire, mais en deuxième place, c'est pas l'extérieur qui va venir la prendre, Vision d'avenir. Félicitations Clément, c'est les aléas des courses maintenant qui vous ont mis en selle sur ce poulain. Oui exactement, quand même une pensée à Jean-Bernard Hakem qui est accidenté, qui aurait dû être associé, donc voilà, comme on dit, malheur des uns fait le bonheur des autres, et voilà, merci. Racontez-nous la dernière ligne droite. Écoutez, on m'avait demandé de ne pas prendre l'avantage de bonheur parce qu'elle avait tendance à flotter, ce que j'ai essayé de faire. Première fois les œillères, ça l'a plutôt canalisé, et après elle le fait assez sûrement. Vous avez battu best-seller, le cheval de votre oncle. Oui, c'est une bonne guerre. Merci. Félicitations Mathieu, vous êtes l'éleveur donc du Loret. Racontez-nous, comment vous avez eu la mère? Tout simplement, c'est un croisement un peu farfelu qu'on avait fait pour s'amuser comme ça. Et puis, elle nous a fait des beaux produits, on a décidé de les mettre à l'entraînement, on les a courus, ils ont tous gagné. Et puis aujourd'hui, c'est Zamindi, mais demain, ce sera peut-être sa petite sœur ou son petit frère. Qui sont déjà à l'entraînement? Oui, sa petite sœur est 3e du Grand Prix des Pouliches des 50 tout à l'heure, Carmiela. Et puis il y a son frère qui arrive derrière le 2 ans, un 25, qui sera à l'entraînement à la fin de l'année là. Et vous élevez où? À Mialos, à côté de Pau, 20 km au nord de Pau. Avec combien de poulinières? 2, pour l'instant. Très bien, pourvu que ça dure. Voilà, très bien.